Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathando et bienvenue dans ce premier épisode de Mario plus The Lapin Crétin Sparks of Hope. Je vais découvrir l'arrivée sur le jeu en même temps que vous. Attention à lire avant de jouer. Certaines personnes ont immédiatement de jouer et consulter un médecin. Très important. Par rapport à l'épilepsie. Je découvre, c'est la première fois que je vois ça et je suis très hypé par ce jeu. J'ai adoré le premier jeu, Kingdom Battle. Je ne le ferai pas avec vous sur la chaîne, en tout cas pas tout de suite. Attendez. Ce thème. Incroyable. On a du Mario Galaxy un peu. Évidemment, hein. De toute façon, quand on a vu le premier trailer de Mario plus The Lapin Crétin, Sparks of Hope, que ça se passait dans l'espace et qu'il y avait Lapin Harmony, on a eu des vibes tous, je dis on parce que je le sais, c'est certain, des vibes de Mario Galaxy, et on s'est dit c'est là en fait, c'est celui-ci, vous ne le saviez pas, mais Mario Galaxy 3 sera développé par Ubisoft Montpellier de surcroît. C'est en France, mesdames, messieurs. Mario plus de Lapin Crétin, quoi. Le crossover inimaginable, et c'est le second jeu. C'est le second jeu. Le premier était très intéressant. Il avait ses défauts. Si bien que je n'ai d'ailleurs pas acheté le DLC. C'est étrange, mais je ne l'ai pas acheté. Donc ça sera peut-être l'occasion, un jour, de faire Mario plus le Lapin Crétin Kingdom Battle ensemble sur la chaîne et de découvrir ensuite le DLC. Pourquoi pas? Mais ça sera pas tout de suite, je vous le rassure. Enfin, je vous rassure, non, je vous le dis, mais ça sera pas tout de suite. Il y a déjà énormément de séries en cours sur la chaîne. Et Sparks of Hope vient se rajouter. Il y aura Sonic's Frontiers en novembre. On va sans plus attendre commencer Mario plus de Lapin Crétin, Spark of Hope, c'est parti. Bienvenue héros, bienvenue dans Mario plus de Lapin Crétin, Spark of Hope, héros. Tu l'as déjà dit, alors ça du coup fallait pas remettre héros Ubisoft. C'est pour Ubisoft Connect, ça sert à quoi? Des durées de récompense sur le fond des blablabla, on s'en fout. Oh non, c'est impossible, vous avez libéré le Megabug, enfin les apparences d'armes du Megabug. En guise de remerciement pour vos précommandes, cet hommage à l'ennemi juré de Mario de Lapin Crétin Kingdom Battle peut être instantanément utilisé pour tous les héros de Galaxy. Ah bon? L'ami juré de Mario plus Lapin Crétin Kingdom Battle, c'était qui? Et je m'en rappelle plus. Je me rappelle pas qu'il y avait ça, mais c'était Bowser, non? L'ami juré de... J'ai tout oublié. Bon, on va commencer le jeu, hein, s'il vous plaît. On va avoir une cinématique d'intro, hein. Elle était géniale. Franchement, celle qu'ils nous ont montré en tout cas dans le trailer, je suppose que c'est la cinématique d'intro, elle est magnifique. On va la redécouvrir ensemble, si tout se passe bien. Ça m'a l'air d'être le cas. Mais c'est en in-engine, ça, par contre. Donc ce n'est pas la cinématique qu'on avait. Il y a vraiment des lapins dans le Royaume Champignon. Incroyable. Oh, le DK. Je sais que ça, c'était le DLC du premier jeu, du coup, DK, que je n'ai pas fait. Peach. Bonjour, Peach. Yay! Donc, pas de cinématique, du coup, pas du tout. Mario, Lapin Peach, Bip Hop, Bip O, Bip Zero. Je suis tellement contente de vous voir. Bip Zero, donc, également dans le premier Kingdom Battle. C'était notre curseur de déplacement, je suppose que ça restera encore le même. Enfin, notre personnage qu'on déplace. Et les autres le suivent. Les lapins sont particulièrement exubérants aujourd'hui. Quelqu'un a égaré la salopette de Lapin Mario. Elle a disparu, il a si honte qu'il n'ose pas quitter le buisson où il s'est caché. Oh, si jamais j'attrape le voleur qui a chippé ma salopette, où est-elle passée? On va chercher la salopette. Pourriez-vous aller chercher la salopette de Lapin Mario? Fouiller les arbres et les buissons? C'est comme si c'était fait, ma princesse adorée. Ah ben, j'ai même pas capté que lui il est doublé. C'est le seul doublé. C'est avec joie que nous vous aiderons. Ah, ils sont peut-être pas permis de doubler Peach en fait. Ah, on déplace Mario cette fois. Très bien. Trouver la salopette de Lapin Mario. Donc on a donc Mario et Lapin Peach. Fais gaffe, Peach. Il y a une contestante. Hein. De toute façon, elle s'en fout. Elle a déjà recalé le Mario. Parce qu'on rappelle, dans Mario Odyssey, Mario il a fait sa proposition de mariage. Et il s'est fait rembarrer par la princesse. Alors, où est la salopette? Où est-ce que pourrait être la salopette?
Est-ce qu'on parle à Peach? On va parler à Peach. Quelqu'un a caché les salopettes de lapin Mario. Avez-vous fouillé dans les buissons? Les lapins crétins adorent y cacher mille et une choses. Okay. La magnifique salopette. On va fouiller les buissons. Je ne peux pas sauter, donc c'est pas là. Non. Bon, il fait yaouyou. Des piécettes. On pille le château. C'est génial. On ne peut pas sauter. Yaouyou. Non. Il y a des cristaux, hein. On le voit en haut à droite. Zéro cristaux, mais... Ah, on peut secouer l'arbre. Non, pas de salopette. Y a rien ici. Y a rien dans ces buissons là en fait. Ça commence bien. Ah Luigi. C'est sûr que ça n'appartient pas à Lapin Mario, mais il y a quelque chose qui cloche. La salopette est à moi, regarde la taille sur l'étiquette si vous ne croyez pas. Ouais, t'as juste pété la salopette quoi. Bien vu. Là y a rien. Y a des pièces. Toi, t'as la salopette. C'est ce qui se passe avec les lapins crétins ici. Ils sont encore plus crétins que d'habitude. Yes, c'est bien joué, Twad. Et glisser, c'est trop bien. Dommage que ce soit pas infini, d'ailleurs. D'ailleurs, j'aurais plutôt faire... Glisser, c'est trop bien. Dommage que ce soit pas infini. Ah bah, elle était là, la salopette. Bah, dis donc. C'était plus obus que ça. Reprendre. Il y avait un plus. J'étais intrigué par le plus. Ah bah non, mais attends. J'ai appuyé sur B, ça l'a lâché. Ah bah oui, je voulais sprinter moi à la base, mais... Mais rip. Comment il tient la salopette? J'ai une salopette. Dans les mains. Bouah! Vite, je veux ma salopette. Yahaha! Et tada! Et c'est reparti mon kiki! Ah, la moustache, quoi. La moustache du lapin crétin. Ça se voit sur leur gueule qu'ils sont crétins. Ils ont vraiment réussi leur design de lapin crétin. Oh, tu as trouvé ta salopette, lapin Mario. J'avais que j'aurais dû la cacher autre part. Ah, ah oui, tu vas être le grand lapin Mario, c'est ça? Tu vas être comme le grand lapin Mario. Mais un seul d'entre nous peut avoir autant de classe avec une alternative au pantalon classique. Eh ouais. Et tout est bien qui finit bien. Nous pouvons maintenant profiter de cette belle journée dans la paix et l'harmonie. Dans la paix et l'harmonie, c'est pas mal ça. Terminé, cette petite abeille, il parle. Sachant que tout est sous contrôle et va pour le mieux. C'est GLaDOS. GLaDOS du pauvre. Ah. Le jeu est quand même assez beau. Hein. Oh. Un lapin Luma. Un lupin crétin. C'est un Spark. Le crossover. La gueule de lapin Peach. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la PS. Oh là là, lapin Peach. Lapin Peach. C'est lapin quiche, on va l'appeler plutôt. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là là, le pro du saut. Wed. Où es-tu donc? Oh là là, mon dieu, ce doublage. Ils sont vraiment comme ça les lapins crétins. D'un abri à l'autre. Ta-ta-ta-ta, atteindre la zone. Premier combat donc, direct. Combat tutoriel, je suppose. Lapin Peach, nous allons simplement faire une promenade sur le dos de cette créature volante et vous rejoindre en un rien de temps. Faut parler peut-être un peu fort, je suis pas sûr qu'elle t'entende là. Oh non, oublions-le simplement, la promenade et le n'ayez crainte, il y a des ennemis en approche. Ouais, oublions ce que tu viens de dire. Merci Bipo. Mario, abrite-toi et ne te fais pas surprendre à découvert. Déplace-toi d'un abri à un autre et n'oublie pas d'attaquer. C'est parti. Mettez-vous derrière l'abri pour protéger votre héros des ennemis.
Jusque là tout va bien. En position à couvert, vous pouvez viser vos ennemis avec ZL et les frapper tout en restant à l'abri. Okidoki. Je prends ZL. Voilà. Tire deux projectiles. Bah vas-y. Piou. Piou. Avance rapide. Oh non, il a tiré. Oh non, il n'y a plus la... Ta 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 ta. Je pensais que je pouvais faire une... Paf. Ça dégage. Mais il a 0 PV. Aïe. Bon, je savais que j'allais me prendre des dégâts. T'as pas un pichu, t'as pas hanté, t'as tenté de l'atteindre. Oh, j'en ai le bout de la queue, j'ai vraiment hanté, hein. Oh yeah. Ça va me faire du mal de pas le doubler, celui-là. Mais il a une bonne voix, ça va. Oh, mais c'est... Lapin quiche. Vraiment, je vais l'appeler Lapin quiche. Hein. Ah ah. Et j'ai plus mon téléphone. Oula. Ah si, elle a son téléphone qui sert de viseur. Bah non. Un œuf fort comme un bœuf. Détruire point faible de la Remanta. Oui. Tan ta ta ta. Lapin Peach, tu es en sécurité en dépit de la mystérieuse et maléfique énergie qui sabote nos armes. Il faut pas le dire ça. Nous n'avons qu'à utiliser notre surpuissante charge qui a servi plus d'une fois à retourner la situation en combat. D'accord, d'accord. Grâce à la charge, nous pouvons libérer ces choses aux allures d'œufs. Et une fois en votre possession... Oui. On va pouvoir retirer. Vous pouvez les lancer sur ces protubérances oculaires. Ce sont les points faibles de la créature. On n'avait pas deviné. Alors c'est parti. Comment je fais la charge? Charge. Aussi simple que ça. On ramasse. Et on lance. Ça dégage. À couvert. C'est tout. Là, je passe à Mario. Ok. C'est la charge. À la tour ennemie, c'est Y. Vous voulez passer le tour? Oui. Parce que je ne peux plus attaquer. Le dernier point faible est de l'autre côté de ce fossé. Nous allons devoir trouver un moyen de passer au-dessus. C'est l'heure du saut d'équipe. D'accord, d'accord. Alors, le saut d'équipe. Utilisez le saut d'équipe pour atteindre le dernier œuf de confusion. Lors d'un saut d'équipe, vos héros peuvent se déplacer dans les airs, mais attention au chrono. Gardez vos héros à proximité pour effectuer un saut d'équipe. En restant immobile près d'un autre héros, vous pouvez afficher sa distance de saut d'équipe maximale. Je suppose qu'on peut faire des sauts de saut. Lorsqu'un héros pénètre dans la zone de déplacement d'un autre héros, cette zone sera affichée en jaune et l'icône de chaussure de ce héros sera aussi mise en évidence. Hop. On va passer à Mario. Mario! Saut d'équipe. Tac, 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 tac. On ramasse. Et on fait plus. Alors on n'a plus du tout les cases qu'il y avait dans... dans Kingdom Battle, et du coup on est beaucoup plus libre dans les déplacements. Bien qu'on soit un peu restreint par la zone. Évidemment. On avait en tout cas une doubleuse pour Lapin Peach. Oh là là. Quel duo. Mais ce sont des lapins maléfiques. Ah, y'a un marque. Ben, je peux servir à quelque chose. Et hop. Oh, le pouvoir des étoiles. On peut faire pipiou. Tire à l'aveugle dans la confusion. Bon. Vaincre tous les ennemis.
Nos armes ont été réactivées. Bah, parfait. Il est temps de se mettre à couvert, de viser et de tirer sur ces vilains pavots. Faites attention, cette dimension se comporte différemment de la nôtre. Vous ne pouvez pas vous déplacer après avoir tiré. Ah. C'est la faute à la dimension. Ok, on peut pas se déplacer après tirer. Lorsqu'un ennemi est derrière un abri partiel, vous avez 50% de chance de l'atteindre. Les pourcentages apparaissent selon votre ligne de tir désirée. Certaines armes peuvent passer outre les abris partiels pour toucher un ennemi derrière ceci. N'oubliez pas, après avoir tiré, vous ne pouvez plus bouger pendant ce même tour, alors assurez-vous de vous mettre à couvert dans le premier temps. Oh yeah! Oh yeah! Hop. 50%. Et c'est tout. On va mettre deux fois lui, hein. Paf! Putain, j'en ai loupé deux ou quoi? Non, j'en ai loupé qu'un. Ta 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 ta! Et toi, tu défonces tout, c'est ça? Allez. Piu piu piu! Pas mal. Oh là là, oh, le doubleuse. Rentre chez toi, bah! Pas mal. En vrai, ça lui va. Pour le lapin catin. Tente. Ah, voilà. Ça dégage. Oh mon dieu. Elle va nous en faire avoir des vertes et des pas mûres. Hein. Hop, on m'a étouffé, je crois que... Pour le moment, ça va. Wouah! Ah, il nous a pas fait un atterrissage catastrophique. Enfin, presque. Bah. Ah, c'est le très très méchant, ça. Les Goombas. Même les Goombas, ils se font pas plaisir là. Moi, je jouais Bowser. Hein. Oula, c'est la corruption du cosmos. Aïe aïe aïe. Périple dans l'inconnu. Vaincre tous les ennemis. Tintintintintintin. Ah, on peut passer. Merci. Hop. Alors, maintenant que vous pouvez choisir entre attaquer ZL, les techniques ZR et les Spark L, souvenez-vous que chaque héros possède 2 points d'action par tour. Ah, j'aurais peut-être pas dû passer. N'oubliez pas les charges, les capacités de déplacement ne consomment aucun point d'action, mais possèdent leur propre compteur. Ok. Pour atteindre une meilleure position, souvenez-vous que vous pouvez utiliser le saut d'équipe. Que vous pouvez utiliser ce d'équipe, une capacité de déplacement qui ne consomme aucun point d'action mais qui possède son propre compteur. Oui. Du coup, le L il fait quoi? Ah bah on va faire la charge. Ça tue les trois. Ce qui est plutôt bien. Est-ce que je fais un saut d'équipe? Il n'y a pas besoin. On va aller là. Hop, on se déplace. Ça fait quoi ça? Les alliés apportés infligent 20% de dégâts supplémentaires avec leurs attaques et capacités de déplacement. C'est naze. Paf paf. Quoique ça me permet peut-être de les tuer. Ah bah si en fait. Ah mais attendez, je peux pas faire deux fois. Et ça fait quoi ça? Regarde, avec toute cible se déplaçant à portée dans les tissus, dans la ligne de mire du héros, ça s'en prend des dégâts. Tout super effet. Ah bah d'accord. Ça du coup fait de la merde. Je vais lui faire ça d'abord. Ouais, on est pas obligé de faire tout d'un coup, hein, je réalise. Je peux pas aller là. Hop, ça dégage. Et ça fait soigne les héros et tous les alliés dans la zone. Par exemple, 20% de PV. Là, par le pouvoir du smartphone, je vous rends des PV. Tadam. Aïe. On va mettre en vitesse rapide. Hein.
Re-aïe. Du coup, on va faire une charge. J'adore. Ouais, t'as plus de charge, c'est chiant. T'as une charge, Mario, toi? Non, t'as pas la charge. Paf. 0%. Ça peut être ça. Ensuite on a toi. Qui fait piou. Rentre chez toi, va. Rentre chez toi. Et toi t'as plus rien. Hein. Je peux faire ça sous la dit. Regard héroïque. Allez-y. On va passer le tour. Paf. Ça dégage. Combat terminé. Ah, c'est le vaisseau de Lapin Harmonie. Et c'est la fuite. Wow. Pas passer loin de la douillette là. Jani. C'est une joie de vous voir en bonne santé. Votre survie est essentielle à notre mission. Très bien, on a Jani maintenant. Hey, bonjour, tu te souviens de moi? L'entité qui t'a créé. Moi aussi, je suis vivant. Ah bon, c'est toi qui as créé Jani. Providentiel, oui, mais d'un facteur de succès critique qui est comparativement inférieur de 31,732 193%. Ils vont me saouler, je sens. Excusez l'effronterie de notre amie Ginny. En tant que Ginny. Nouvelle intelligence artificielle du vaisseau, moi, je prononce ça elle a Jani, pris mais... conscience d'elle-même hier seulement. C'est pas grave. On va dire Ginny. Très bien, très bien. J'ai clairement d'autres Salut, vaisseau. Tests à effectuer, mais comme nous nous retrouvons dans une situation d'urgence, je... Bah. Eh, vas-y, madame. Eh, tu brilles, donc. Comment tu t'es retrouvé à bord avec Mario? Intéressant. Il semblerait que cette créature soit en partie lapin crétin et luma. Elle contient okay. par conséquent une quantité colossale d'énergie exploitable. Mais surtout qu'il est débile. Je soupçonne et donc on peut l'exploiter. C'est semblable d'être éparpillé aux quatre coins de la galaxie. Mais sans données supplémentaires, leur nombre exact m'échappe encore. Tintin. Tu as déjà connu Harmonie, lui. Et comment c'est possible ça? Harmonie ne l'aurait jamais permis. Ah ben on est bien d'accord. Harmonie existe donc. Maman, elle est en danger à cause de Cursa. Pitié, aidez-la, pitié. Ah ah. Elle a enlevé Harmonie. Oh non, Harmonie, quelque chose d'affreux a dû se passer. Cursa envahit la galaxie à l'aide d'une énergie corruptrice appelée Confusiombre. Ah tu prononces ça Confusiombre. Ce qui est plus logique, du coup. Parce que confusion ombre, je comprenais pas le jeu de mots. Mais là, on est dans la confusion ombre. Ok, très bien. Fallait pas mettre de tirer. Je peux déterminer l'épicentre de cette activité. Ah. La forteresse de Cursa. Logique. T'avais pas besoin de savoir. Il faudrait à notre vaisseau... Oui, j'ai trop Cursa. Bah, dans la forteresse de Cursa, de c'est pas logique. ...position actuelle jusqu'à cette forteresse. Toutefois, okay. en utilisant une forme purifiée de l'énergie de confusion ombre, nous pouvons créer des tunnels de téléportation et effectuer des voyages presque instantanés. Pratique. C'est justement ce que j'allais proposer à notre nouvel ami ici présent. Comment vous appelle-t-on? Ah, et pourquoi pas les lapins luma? Non, les lupins crétins, j'aimais bien. Sparks. Sparks. Vraiment? Parce que, objectivement, lapin luma est plutôt parfait, non? Luma crétin, ça marche aussi. Ah, c'est nul.
D'accord. La planète la plus proche est le littoral lumineux. La confusion s'y répand déjà. Données insuffisantes pour déterminer le niveau de danger. Autrement dit, tu sers à rien. Merci, Jamie. Doucement, Ginny. L'aventure est un concept nouveau pour toi, mais pas pour nous. Je m'attends à ce que le niveau de difficulté de cette mission soit... normal. Bien sûr, je me réserve le droit de changer d'avis à n'importe quel moment pendant notre mission. Très bien. Et quoi qu'il en soit, avec les lapins Luma pour nous aider, cet art du périple saura se faire plus doux. Je crois que le vote général s'est arrêté sur Spark. Sur Spark, et oui, en effet. Peu importe. Ce qui compte, c'est que le raid nous est acquise. Cursa sait que nous faisons équipe, alors je parie qu'elle ne nous embêtera plus. Détrompe-toi, mon guide. Ça me paraît bien présomptueux de ta part. Qu'est-ce que c'est ? Encore des monstres. J'ai besoin de l'énergie de ces créatures. Amenez-les jusqu'à moi. Un peu flippé que ça. Fais pas flipper, mais t'as pas envie de le rencontrer quand même. Bon, on n'aura pas eu la cinématique d'intro. Oula. C'était plus accueillant sur l'image du vaisseau. Hein. C'était peut-être juste pour le trailer du coup. Oh, les lapins crétins, quoi. Mon dieu, ces personnages. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Oji. Vous êtes là pour faire du grabuge, autant vous dire qu'on est déjà au complet. Rangez-moi ça. Nous sommes des héros, pas des grabugeurs, ni d'insupportables touristes. Des héros? Les héros? Vous voulez dire de ceux qui se mettent en grand danger pour sauver de parfaits inconnus? Oh, ah, benga, 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 baby. Oji, il y a une chance de s'en sortir, haha. Enfin, je veux dire... quelques problèmes que vous pouvez m'aider à régler. Vous voyez, ça sauve sur notre phare. Ils vont tous parler comme ça, les lapins crétins, parce qu'ils sont crétins. Le soleil a disparu à la seconde où cette chose est arrivée et a soufflé le feu de l'étreinte sous notre phare. Cette chose est un tentacule de confusion. En l'éliminant, non seulement ses horribles effets sur le climat disparaîtront, ah, mais nous pourrons aussi purifier son énergie de confusion pour créer un tunnel de téléportation vers notre prochaine destination. Comment dire, on change de monde. Nous devons aussi éliminer toutes les flaques de confusion. Elles ne recèlent pas d'énergie purifiée, mais elles restent une grande menace. T'as loupé de confusion purifiée, là. Tu l'as saqué, le truc. Au secours, Ageg. Au secours, elle est où? Vous pourriez d'abord aller au village, il se fait envahir par un horrible danger. Je comptais d'ailleurs m'en occuper en personne, mais comme c'est une grosse merde, vous n'allez pas le faire. La demande d'Oggy est compatible avec notre mission. J'ai d'ailleurs détecté un Spark dans le village. Nous devrions établir le contact. Ouais, alors il n'y aurait pas eu de Spark, elle n'aurait pas été compatible avec notre mission, on est bien d'accord. Parce que c'est ce que font les héros. Spark? C'est comme ça que vous appelez ces petites bestioles en forme de toile? Pff, elles auraient pu nous rendre service en restant chez elles, hein. Nous y voici, mais le problème de ce village semble requérir l'intervention de deux héros. Sans me compter personnellement, bien sûr. En même temps, t'es pas un héros, toi. Du gâteau, comme on dit. Tâchons d'en finir avant que mes nanodiodes se mettent à rouiller. Qui est avec moi? On va choisir notre équipe, là, c'est ça? Et nouvelle quête principale débloquée, vous avez déverrouillé vos premières quêtes, allez les découvrir sur votre carte. Avec moi. On peut pas faire comme tous les autres jeux, c'est X. Voici l'étape suivante de notre quête principale. Pour connaître. Toutes les quêtes disponibles, vous pouvez à tout moment appuyer sur X et ouvrir votre journal de quêtes. Mm-hmm. Donc sauver Farville.
carte additionnelle, on n'a rien à souvenir. C'est quoi ça? Initialisation. Existence confirmée. C'est quoi ce souvenir? L'histoire jusqu'à présent. Mais je suis en train de me poser la question. Est-ce que je l'ai fini, Kingdom Battle? Est-ce que ce méga bug, ça me dit strictement rien? Je l'ai pas fini, en fait, je crois. J'ai pas fini le jeu. C'est une première. J'étais persuadé de l'avoir fini. Après avoir vaincu le Megabug, les héros prirent des chemins séparés. Certains restèrent au château de Peach pour aider à gérer les lapins crétins sur place et construire un nouveau vaisseau. C'est arrivé soudain, puis à la disparition de la Raymanta de confusion, qui enleva Mario, Bip, oh, et lapin Peach et entre. Ok. Ça me dit rien, cette. Ok, ok. Et ben, du coup, quand je referai Kingdom Battle, je découvrirai le boss final aussi, peut-être. Merde, je pensais, j'étais sûr d'avoir fini le jeu, mais en fait non. Hein. Bon, allez, on va avancer un petit peu. Alors, plusieurs apparences d'armes obtenues. C'est justement le méga bug. Ils sont quand même plus stylés. Hein. On va les mettre. Ah, quoique pour le Luigi, j'aime bien celui-là. Équipe, on a Mario et Lapin Peach, ça me va pour le moment. Lapin Peach, il a pas de Sparks, donc on va lui mettre. Ok, ok. Bon, en vrai, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Soin d'équipe, appuyez sur la croix du bas pour ouvrir la page de soin d'équipe et soigner votre équipe entière avec contre quelques pièces, bien sûr. Si c'est un service proposé par Robot Marchand 999 plus TX, le marchand robotique, et donc le rendre visite, il y a des objets très intéressants à vous vendre. Très bien. Ouais. Bah écoutez, ça me donne envie de continuer évidemment, mais ça sera la semaine prochaine. Parce que là c'était un petit épisode de découverte à la sortie du jeu. On est le 21 mai, minuit 42. Donc voilà, c'est le moment où je peux tourner l'épisode. Donc cet épisode sort dans 15 heures finalement. 14 même, peut-être on peut dire. Et donc, c'est intéressant. Après c'est très basique là pour le moment, donc on verra ce que ça donne sur le long terme. J'étais persuadé d'avoir fini Kingdom Battle, mais maintenant que j'y pense, je suis pas certain. Donc je le ferai un jour sur la chaîne, c'est très probable. Mais ça arrivera quand il y aura un petit moment de creux dans les vidéos, enfin dans les séries. Ce qui n'est pas le cas du tout en ce moment. Et ce qui risque de ne pas se calmer avant fin 2023, enfin avant 2023. Donc je sais pas quand ça arrivera, un jour, peut-être. On verra bien. En attendant, on va se focaliser sur les séries en cours et ce Mario plus ce lapin crétin Sparks of Hope. Le nom à rallonge, c'est super chiant. Et voilà, merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Ciao, ciao, tout le monde.